Professeur Wazani Jamil Mohamed, donc vice-président et doyen de la faculté des sciences d'ingénieur. Donc, comme à l'accoutumée, nous organisons chaque année donc, la semaine des métiers de l'ingénieur, donc, qui consiste à rassembler toutes les compétitions, des compétitions thématiques en une semaine, donc des compétitions qui touchent à toutes les disciplines de l'ingénierie, que ce soit le génie civil, les systèmes embarqués, les énergies renouvelables, le génie informatique. Et chaque jour, nous organisons une compétition où vraiment il y a de l'ambiance et ça permet à nos étudiants de mettre en quelque sorte en application donc, toutes les notions fondamentales donc, qu'ils ont acquis au cours de leur cursus avec leurs professeurs. Donc c'est vraiment une mise en situation, une mise sur un projet donc, qu'ils vont rencontrer certainement une fois qu'ils vont entamer la vie professionnelle. Donc on anticipe un petit peu cette vie professionnelle par leur donner donc, des projets sur lesquels ils travaillent. Et aujourd'hui, avec le génie civil, donc, vous voyez, donc, nous avons des projets vraiment qui sont complets, qui vont du plan d'architecture jusqu'au plan du béton, le coffrage, l'étude énergétique, l'étude d'impact sur l'environnement, l'étude économique, c'est-à-dire le budget, etc. Et c'est lorsqu'on est passé avec M. le Président tout à l'heure et en demandant aux étudiants, ils apprécient vraiment cette innovation pédagogique et on était en train de discuter pour aller beaucoup plus loin les années prochaines pour mettre en place ces projets-là, c'est-à-dire un apprentissage par projet qui serait peut-être très très profond. Donc il peut aller jusqu'à 100% pratiquement donc dans certaines en cinquième année ou en quatrième année. Ok, et merci.